entre Conor Notorious McGregor et Tony Ferguson. Pour vous ce soir, un vrai pro de la soumission, inarrêtable à ce niveau pour le moment. Je crois que c'est son intelligence qui fait la différence. Il sait que la soumission est la clé de la victoire dans le MMA actuel et il a également travaillé sur les éléments qui la précèdent. Face à un combattant tel que lui, le plus dur est sans doute de savoir exactement ce qui va se passer mais de ne rien pouvoir faire. En effet, il est tellement doué et rapide au sol qu'une fois qu'il vous a fait chuter, c'est quasiment la fin. Et voilà Conor McGregor, l'Irlandais, qui a été plombier avant de combattre. C'est étonnant. Ouais, comme quoi le MMA est accessible à tous et à toutes. Même aux plombiers. C'est pas faux. Ce combattant possède l'une des meilleures défenses face au takedown. Non pas seulement de la division, mais de tout l'UFC. Il est pratiquement impossible à désarçonner. Présentation des deux adversaires du main event de ce soir. 4 ans d'écart entre ces deux combattants et ils ont une taille et une allonge quasiment identiques. Et voilà Bruce Buffer pour présenter les deux adversaires. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. When the action begins, our referee in charge of the octagon, Yves Levine. This is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live from the sold-out Madison Square Garden Arena in New York City, it's time! 5 rounds in the UFC welterweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a freestyle fighter holding a professional record of 26 wins, 8 losses. He stands 5 feet 11 inches tall, weighing in at 170 pounds. Fighting out of Orange County, California, Tony El Kukui Ferguson. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner. This man is a kickboxer, holding a professional record of 22 wins, 6 losses. He stands 5 feet 9 inches tall, weighing in at 155 pounds, fighting out of Dublin, Ireland, the notorious Conor McGregor! Okay, take yourself at all time, will be my command at all time. If you want to touch love, do it now, go back. Et on ne touche pas les gants ici, ça promet d'être intense. Conor McGregor, Tony Ferguson. Vous en pensez quoi de ce combat? On a là deux vrais guerriers, mais aussi deux chevaux. Conor McGregor reste un véritable sniper dans la cage. C'est peut-être son salut face à Ferguson qui peut tenir la distance avec son cardio. Oh, quel coup de pied à la tête! Il est pas
sonné la présence. Et il y va franchement, avec un bon coup de pied. Vu sa technique, ce serait dommage de s'en priver. Belle frappe au cœur par Ferguson. Il marque des points. Ferguson cherche à placer son gauche, mais ça ne passe pas. Oh, spinning back fist. Conor McGregor fait parler sa boxe. Oh, quelle classe! Il cherche à placer un coup de pied à la tête. Ah, il cherche à lui couper le souffle. Il bloque ce coup de pied à la tête. Quelle puissance dans son coup de pied. Il percute, ça rentre. Et c'est à côté, dommage. Il a sorti tout son arsenal de frappe. Il touche sa cible avec ce coup de poing. Oh, la droite qui touche. Oui, la préparation était parfaite. Et voilà, c'est aussi ça le MMA. Des coups en provenance de la boxe. Et le double jab qui touche, c'est plus dans le... Oh, super kick. Désolé. L'arbitre a pris une sage décision en s'interposant pour mettre fin au combat. Son adversaire ne se défendait plus intelligemment, c'était la meilleure solution. Un puissant coup de pied qui l'envoie au tapis. Le gros coup de pied, regardez. Voici Bruce Buffer pour la décision. Ladies and gentlemen, referee Eve Levine has called a stop to this contest at 2 minutes, 41 seconds of the very first round. Declaring the winner by knockout, the No Claw.